Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du nouveau boîtier Lianli O11R Mini. Alors, en fait, ce boîtier, vous le connaissez puisqu'il est très proche du O11 Dynamic Mini, mais cette fois, on est sur un boîtier qui est en version Airflow, ce qui veut dire que le panneau avant et le panneau supérieur sont en mèche, donc en métal, avec plein de petits trous pour que le boîtier puisse respirer plus facilement. Le boîtier est livré avec 3 ventilateurs de base, 2 ventilateurs de 140 mm à l'avant, 1 ventilateur de 120 mm à l'arrière. Vous allez le voir, il y a pas mal de possibilités d'intégration, notamment pour le water cooling. Au niveau du prix, on est sur un tarif de 109$ pour la version blanche que l'on teste aujourd'hui, ce qui devrait nous donner un 129-139€ à peu près en France. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Place donc au O11R Mini par Lianli, un boîtier qui mesure 420 mm de profondeur sur 270 mm de largeur et 380 mm de hauteur, qui fait 8,5 kg et qui est compatible avec les formats de carte mère ATX, micro ATX, ITX. Ce boîtier O11, on le connaît déjà puisqu'on a déjà testé la version dynamique à la ferme. Aujourd'hui, on teste donc la version R. La version R, tout simplement, elle remplace les panneaux en verre trempé qu'on avait à l'avant et sur le dessus par des panneaux en acier qui sont intégralement percés de petits trous pour que l'air puisse tout simplement passer plus facilement à l'intérieur de ce dernier. Pour le reste, vous allez le voir, en fait, on est à peu près sur le même boîtier. On retrouve donc le format cube et la grosse modularité à l'arrière. On va avoir en dessous un filtre complet, mais on va vous passer tout ça en détail tout de suite. À l'avant, on a donc une grille, enfin non, plutôt un panneau en acier méché, donc avec plein de petits trous, et derrière on va retrouver deux ventilateurs de 140 mm de base. Ça sera également compatible 2 x 120 mm ou radiateur de water cooling en 240-280 mm. Ici, plus d'aluminium comme sur la version dynamique, mais de l'acier pour avoir une harmonie sur l'intégralité du boîtier. Et ici, en fait, on va passer sur le deuxième compartiment du boîtier qui va permettre l'installation de l'alimentation et des câbles, mais aussi une partie du stockage. Dans la partie basse, on a des petits pieds en plastique blanc qui font bien le travail, qui s'harmonisent bien avec l'ensemble. Sur le côté gauche, on a gardé quand même un panneau en verre trempé pour avoir un œil sur le hardware. Dans le bas, on retrouve donc, comme on le disait, le filtre amovible et on a une grille qui est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, radiateur de water cooling en 240, 280 mm. Si on passe du côté droit, on est sur une version R, donc pas de filtre en plastique aimanté à l'arrière, mais juste des grilles d'aération complètes directement percées dans le panneau en acier. Ici, on aura en fait une alimentation, une grille qui va se destiner à l'alimentation, ici à la cage HDD et ici à deux éventuels ventilateurs de 120 mm à l'arrière ou alors pour laisser l'air chaud des disques durs se dissiper. On continue maintenant au-dessus du O11R Mini, on va voir ici le panneau de contrôle, le power on qui s'illumine en bleu, l'entrée-sortie audio, un USB type C, deux USB 3.0. Ensuite ici, on va avoir une partie métallique amovible avec du mesh. Alors ça tient avec deux vis à main derrière, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Ça tient avec deux vis à main, on tire comme ceci, et ça permet d'avoir accès à cette grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240 mm ou 280 mm maximum. On continue à l'arrière, on va voir un petit peu plus de choses à dire. On commence avec le côté gauche, ici on a l'emplacement de l'alimentation, ici on a l'emplacement d'une cage HDD, alors on a une vis à main, on retire la vis à main, ça permet d'accéder au plateau, le plateau il est en acier, il est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces, on reviendra un petit peu plus sur toutes les compatibilités quand on passera à l'arrière. Ensuite, vous voyez, on remet la grille de protection, on referme et on va passer. Alors, je trouve le petit trou de fixation. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas. On passe à l'arrière maintenant ici. Ce boîtier, on le connaît déjà. De base, il est livré avec ce petit accessoire. Ce petit accessoire va vous permettre de remplacer deux des slots. Alors,
Ce qui veut dire que de base, le boîtier est compatible ATX, micro ATX, ITX. Il n'y a aucun problème là-dessus. On pourra, si on le désire, si on est sur du micro ATX et qu'on veut plus de place dans la partie basse, démonter en fait cette partie, tout simplement comme ceci, et la remplacer par cette partie. Voilà, on la met en place. Décidément, j'arrive pas à trouver les trous de fixation. On la met en place et donc on passe sur un format micro ATX avec une grille d'aération qui est un peu plus grande à l'arrière. Mais imaginons que vous avez envie de mettre un gros radiateur de 280 mm en push-pull dans la partie haute. Eh bien, on démonte cette grille, qui n'est pas très compliqué. Ensuite, on dévisse toutes les vis ici, toutes les vis là. Et on va pouvoir prendre tout le bloc, l'abaisser jusqu'ici, le resserrer et insérer cette fois la partie grille dans la partie haute. Ce qui veut dire que c'est très modulaire et qu'on fait à peu près ce qu'on veut avec le boîtier. Pour la fixation des cartes graphiques, c'est pas compliqué. Ici, on a deux vis à main. Hop, ça permet de retirer cette partie et ainsi on a accès aux différentes vis pour pouvoir faire la fixation des cartes graphiques. C'est donc très facile à utiliser. Autrement, sur cette partie, on a une grille avec un ventilateur de 120 mm. Ici, on trouve l'emplacement pour la petite plaque EOShield de la carte mère et on aura donc 5 slots d'extension ou 7 slots d'extension avec un montage par vis classique et avec des caches qui sont ajourées et non soudées. On termine sous le boîtier. On a 4 pieds en plastique avec des gros pads en caoutchouc. On a les points d'ancrage pour tout ce qui est dans le compartiment de gauche. Et enfin, on a ici le filtre amovible à destination des deux ventilateurs de 120 ou 140 mm que vous pourrez ajouter. C'est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 240-280 mm. On file maintenant à l'intérieur du hose. O11R mini, c'est pas simple à dire. Tout d'abord, dans le fond, on va trouver l'accès backplate pour le ventilateur de CPU ou le water cooling IO. Dans la partie haute, sur une sorte de plateau qui est surélevé du reste, on va trouver deux passages dans le haut, deux grands passages sur le côté avec des caches gris et deux passages dans le bas. Le boîtier est compatible ITX, micro ITX, ATX. Dans le fond, ici, vous le voyez, on a une petite grille qui permettra d'installer deux ventilateurs de 120 mm ou alors un radiateur de water cooling en 240 mm. Vous avez des points d'ancrage également pour du SSD ou du HDD, mais ça se passe par derrière sur des platines amovibles. On va y revenir. Si on passe maintenant à l'avant, on va trouver ici et là deux ventilateurs de 140 mm qui tourneront de 600 à 1200 tours par minute. Ces ventilateurs sont montés dans deux cages qui sont amovibles. On pourra remplacer ces deux ventilateurs de 140 mm par deux ventilateurs de 120 mm ou alors par du radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. On continue maintenant dans la partie basse. On va tout d'abord trouver le filtre sous le boîtier amovible, on en a déjà parlé, qui protégera une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 240-280 mm. On continue à l'arrière avec ici un ventilateur de 120 mm. En dessous, 7 slots d'extension classique, montage par vis classique. Les slots sont non soudés et totalement ajourés. On a également l'emplacement de la backplate, de la plaque EOShield de la carte mère derrière. On en a parlé tout à l'heure, on pourra, si on le veut, démonter différentes parties pour passer en micro ATX ou alors abaisser le seuil du boîtier en micro ATX pour mettre un énorme radiateur dans la partie haute. Bref, il y a des tonnes de possibilités. On passe maintenant sur le dessus avec la grille démontée. On ne va pas vous parler du panneau de contrôle, on l'a déjà fait. Cette grille, elle est donc compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm pour les radiateurs de water cooling. Par contre, ça sera 240 mm ou 280 mm maximum. On termine à l'arrière du plateau de la carte mère. On va avoir au centre
Une platine pour deux SSD ou deux HDD au format 2,5 pouces avec un montage par vis avec des rondelles en caoutchouc. Ça se démonte avec une vis à main et une petite vis en bas. Ici, on va trouver l'emplacement de l'alimentation. Juste au-dessus, on a une cage HDD de deux emplacements avec deux paniers métalliques compatibles 2,5 pouces ou 3,5 pouces avec de nouveau des rondelles en caoutchouc pour le système de montage. Enfin, on va avoir deux platines ici, également destination de deux SSD ou de deux HDD. On retrouve de nouveau les points pour pouvoir installer des rondelles en caoutchouc et le tout se monte avec des vis. Vous le voyez à l'arrière, on a pas mal de place derrière cette platine, ce qui permettra de dissimuler une grande partie des câbles du boîtier. Place maintenant à notre boîtier O11R Mini avec la configuration montée à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement propre. Pourquoi? Parce qu'on n'a absolument rien qui dépasse autour de la carte mère. On a juste les câbles ici qui vont s'enfoncer via des passages sous le plateau de carte mère. Le plateau de carte mère, en fait, il est comme surélevé du reste du boîtier. C'est pour ça qu'on a cette impression presque de vide autour des composants hardware, ce qui fait que ça les met vraiment très en valeur. En plus, on a choisi de monter une configuration noire et blanche hyper contrastante à l'intérieur du boîtier qui est lui intégralement blanc, même au niveau des ventilateurs, et ça claque plutôt pas mal. Comme vous le voyez, on a pas mal d'espace encore dans la partie basse si on veut ajouter des ventilateurs additionnels ou même si on voulait mettre un IO de water cooling qui serait par exemple relié à la carte graphique. À l'avant, on a aussi de la place avec les deux ventilateurs de 120 mm qui sont dans leur cage qui sont amovibles. Dans le fond, vous le voyez, si on veut ajouter d'autres ventilateurs additionnels, on le peut aussi, et également dans la partie haute, on a de la place. Donc clairement, ça va être presque l'orgie pour les composants hardware et pour le water cooling. Tout ça avec un boîtier qui est maintenant intégralement en mèche, donc plus respirant que la version en verre trempé. On passe maintenant à l'arrière et comme vous pouvez le constater, c'est tout aussi propre. On a au centre, la platine qui permet de mettre deux SSD, on en a installé un. On retrouve ici la petite plaque Lianli d'Airbower. À droite, la cage HDD. En dessous, l'alimentation. Et on en a profité, nous, pour passer tous nos câbles ici et les regrouper assez facilement. Et vous le voyez, on a vraiment très peu de câbles qui traînent derrière le boîtier. En fait, la plupart sont tout simplement regroupés derrière la platine SSD, ce qui permet d'avoir ce résultat très propre. On en termine de cette découverte du boîtier O11R Mini par Lianli avec le PC monté à l'intérieur et surtout le PC allumé. Comme vous le voyez, on a zéro système RGB de base dans le boîtier. On a trois ventilateurs de 120 mm, deux à l'avant, deux à l'arrière. Tout est intégralement blanc et on a fait le choix de monter une configuration noire et blanche à l'intérieur et sans RGB justement et sans éclairage pour avoir un design super sobre. On a le panneau en verre trempé du côté gauche qui est totalement translucide. Il n'est pas teinté, ce qui vous permettra d'avoir une super vue sur vos composants. Et comme vous l'avez vu juste avant, on a vraiment juste la carte mère qui ressort avec le ventirad et la carte graphique et les quelques câbles qu'on a choisis noir et blanc pour l'occasion. Sur ce, eh bien, on va vous laisser avec ce O11R Mini en train de tourner. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.